俺たちが知ってるこの世界はとてつもなく大きな世界のほんの一部だってことにね。ある時代のある地域の選ばれた人間はあっちに行ってきた記録を遺物に残してる。わかったか？俺が欲しいものは今も昔も変わらない。Bon, je pensais jamais dire ça un jour, mais bienvenue dans cette review du chapitre 391 de Hunter x Hunter. Après plus de 4 ans de pause, la guerre de succession reprend et Ron va essayer de vous expliquer tout ça. Il y aura différents formats d'analyse, donc n'hésitez surtout pas à me suivre sur les différents réseaux. TikTok, Twitter, YouTube et tout le tralala, tout se trouve en description. Je vous fais pas perdre plus de temps et commençons. Avant tout, je vais vite fait parler de la page en couleur et de pourquoi elle est intéressante. Ensuite, je remets vite fait le contexte des 2-3 derniers chapitres, histoire qu'on reprenne le manga sur des bonnes bases, pour enfin attaquer le gros du gros avec ce magnifique chapitre 391. Il y a un timer comme d'hab si juste la dernière partie t'intéresse, mais je te conseille quand même de tout mater pour tout bien comprendre. Et pourquoi cette simple illustration est intéressante pour moi? Bah déjà il y a Gon et Yusuke, deux persos que je surkiffe, mais bref, restons sérieux. Le monstre avec la jarre au-dessus de la tête a le même aura que le roi de Kakin, aka Nasubi, ce bon gros gourmand. Donc logiquement, je pense que c'est la forme finale de sa bête de naine. Évidemment, c'est la forme finale après avoir sacrifié les 200 000 personnes et tous les princes. On sait que les bêtes de naine sont très liées à la personnalité de leur propriétaire, si je puis dire. Nasubi, lui, a très soif de pouvoir. À chaque fois qu'il parle des débuts de Kakin, il dit que c'était un pays tout petit et qu'au fil du temps, Kakin s'est étendu sur le territoire. Il nous parle aussi de conquête et de découverte. Bref, tout simplement le fait de grandir et de s'accroître. Pour moi, il veut soumettre le monde à Kakin durant son règne, et peut-être même que cette guerre de succession est en fait juste un moyen d'atteindre son objectif. D'ailleurs, cette page nous montre clairement qu'il veut étendre son territoire au maximum. Le moment de bonheur suprême où il n'en restera qu'un. En plus de se prendre pour Denis Brognard, le frérot pourrait très bien parler de lui-même sur cette planche. Un foreshadow sur le futur gagnant de la guerre, ou tout simplement sur qu'est-ce qui va se passer que Togashi a placé subtilement, ou juste une simple illustration sympa, je vous laisse me dire ça en commentaire. Allez, maintenant on passe au contexte de l'arc en vite fait, avant de rentrer dans le chapitre. Donc petit rappel des chapitres 388, 389 et 390. Le prince Tsubepa se sent en danger et ne voit que Kurapika dans la capacité de l'aider. Dans les quartiers VIP où est retenu le prince Benjamin, ils débattent sur ce qu'il vient de se passer dans la suite 1007 où Shikaku s'est suicidé. Steiner, l'homme qui a lu le livre de Don Fricks et ses hommes, viennent placer Arkenberg en détention. Conven Toba demande à Temftori de lui montrer sa pièce qui porte elle aussi le numéro 10. Le prince hypothèse sur l'utilité de ces dernières et qu'elles serviront plus tard. Ensuite, le prince Shorai sort de sa suite pour se rendre dans les quartiers du clan Shu. Et avec leur boss, ils vont parler du Nen. Le boss du clan Shu appelle Inrigi, le sous-boss du clan, et apprend que la brigade fantôme s'est associée à eux et que c'est un véritable massacre dans leur rang. Ils n'ont pas trouvé Hisoka au 4ème niveau et laissent donc la brigade fouiller le 3ème niveau pour retrouver le clown. Et accessoirement, si possible, tuer Morena. Inrigi, Lynch et Zakuro se rendent tous les trois aussi au 3ème niveau pour tuer Morena. Zakuro se baladant avec des poches de sang comme s'il était malade. Il va avoir quelques remue-ménages avec les membres des autres clans, notamment avec des têtes découpées et des petits coups de couteau. Zakuro utilise sa capacité Bloody Mary, une capacité qui peut contrôler son sang à sa guise, d'où les perfusions pour compenser ses pertes de sang. Lynch aussi utilise sa capacité lors de son combat, une capacité plutôt spéciale, je vais pas en parler ici. Inrigi verse un pot de vin aux soldats et en profite pour activer la condition de sa capacité de matérialisation, Biohazard. Il peut métamorphoser n'importe quel appareil ou arme en créature qu'il peut manipuler tout en conservant leur fonction de base. En touchant les fusils des deux gardes, ils se transforment en serpents qui ouvrent leur gueule pour tirer et leur exploser la tête. Voilà voilà, petite piqûre de rappel en espérant que ça vous a aidé. Maintenant, passons au gros du gros, le chapitre 391. «
Juste avant de commencer, il est possible que certains noms, endroits ou capacités ne soient pas exactement pareils dans chaque traduction. Donc attention, il peut y avoir de petits couacs. Le chapitre s'intitule Clash 2. On retrouve notre petit groupe de 3 avec Lynch, Zakuro et Inrigi. Ils vont se séparer en deux avec d'un côté Zakuro et Lynch à la recherche d'Hisoka, pendant que Inrigi poursuit la fille dont on connaît pas encore le nom je crois, du clan Aili ou Ai, je sais jamais comment on prononce cette merde. D'ailleurs, les 3 clans mafieux sont Shu, Ei et Sha. Tu les mets ensemble, ça fait Shueisha. Et oui, Togashi dénonce cette satanée entreprise à travers son manga. C'est pour ça que le Jump et les organisations ne kiffe pas trop le GOAT. Inrigi précise quand même que s'il voit Hisoka, ce qui m'étonnerait, ils doivent le prévenir et surtout de ne rien tenter de foufou. Nos deux protagonistes du clan Shu partent à la recherche d'Hisoka et Zakuro éclabousse les murs de son sang. On en sait du coup un peu plus sur sa capacité. Chaque goutte de son sang a des yeux et peut être utilisée pour de la reconnaissance ou de l'espionnage. Ces gouttes peuvent se déplacer jusqu'à elles soient à court de carburant. Tiens, ça tombe bien, c'est dans l'actualité. Bref, donc de naine, soit environ 30 à 40 minutes. Ça me fait penser à une autre technique de naine qu'on connaît déjà, mais je vais pas trop bavasser pour cette première review. On a une petite discussion entre Lynch et Zakuro, pas super intéressante, mais au moins on en sait un peu plus sur les deux persos et leur relation. Ensuite, Inrigi arrive dans un grand hall plein de passagers qui prennent des photos et se dirige vers un soldat. Avec l'aide du soldat, il vérifie les caméras et téléphones de certains passagers jusqu'à qu'il trouve une photo de la fille du clan Aili. Une fois trouvé sur la caméra d'un couple, il va leur verser un peu, ou plutôt beaucoup de thunes, pour les remercier de leur collaboration. Par contre, il va quand même piquer la caméra en caution et le transforme en chat pour surveiller le passage. Pendant ce temps, 3 membres du clan Aili surveillent et vont commencer à suivre Inrigi. Ils pensent pouvoir le 1v3, mais se méfient quand même de son N. Il a un rayon d'environ 5 mètres, ce qui est très très loin du niveau de Pitou ou Zeno, mais c'est pas dégueu. Chacun veut le tuer ou du moins l'achever afin de gagner les fameux 10 niveaux liés au Hatsu de Morena. Mais bon, ils le disent eux-mêmes, c'est bien Morena elle-même qui définit qui prend le petit power-up. On en apprend un peu plus sur ces 3 types et notamment leur niveau, ce qui est évidemment le plus intéressant. Padol est niveau 29 et est de la matérialisation. Corol, lui, est niveau 22 et est de l'émission. Pendant que De Valeres, je sais pas si je le prononce bien, est niveau 24 et est du renforcement. Est-ce que ça veut dire que Padol est le plus fort car il a le plus haut niveau? Bien évidemment que non. Il va attaquer Inrigi en premier avec sa capacité Folie des armes et, comme son nom l'indique, une capacité pouvant modifier son corps en arme. Il va mettre un coup à Inrigi, mais très rapidement il va se faire choper les mains par un pigeon qui ensuite se transforme, ou plutôt se retransforme, en menotte. Payol menotté, Inrigi en profite un peu pour flex. Il dit aux deux gardes de venir se péta car un 1v3 pour Inrigi c'est beaucoup trop facile. Tu m'étonnes quand t'es le sous-boss du clan. Les deux autres gardes commencent à tirer dessus mais c'est complètement inutile. On le sait, c'est au centre de l'arc, le naine est bien supérieur au reste. Pendant ce temps, Padoy transforme son bras droit en perceuse, ce qui lui permet de glisser hors des menottes. Il s'élance vers Inrigi, qu'il remarque, et parvient à le bloquer à temps avec son bras gauche. Franchement, j'ai trouvé ce combat hyper intéressant et lourd de sens, si je puis dire. D'un côté, on a Padoy qui peut transformer son corps en arme, pendant que de l'autre côté, on a Inrigi qui peut transformer des objets aussi en armes. Rien de foufou, évidemment, mais je voulais quand même le souligner. Le combat se passe et on voit clairement que Inrigi est au-dessus. C'est normal, c'est quand même le sous-boss d'un clan. Dans un dernier élan d'espoir, Padoil, si j'ai bien compris la planche, frappe le sol pour que Corol et De Valeres puissent s'échapper. Nos deux gardes flippent un peu et comprennent pas comment Inrigi arrive aussi bien à gérer ses pigeons. Ils vont aller ensuite chouiner et demander les ordres à la goat Morena. Bon, je pense que vous l'avez entendu à ma voix, je suis tellement heureux de pouvoir faire des reviews HXH bordel, en espérant que malgré une traduction un peu foireuse, ça vous a plu, et que tout simplement vous avez un peu mieux compris le chapitre si vous aviez des problèmes. Ouais, c'était pas un chapitre incroyable, mais bon, on s'en contentera, surtout que le prochain Askip serait centré sur la brigade. Miam 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 miam. Allez, bah tu me dis comment je pourrais améliorer ça, comment mes reviews pourraient passer au niveau au-dessus, comment Ron pourrait devenir le numéro 1, le meilleur hunter de l'histoire. Sur ce, prenez soin de vous et à la semaine prochaine, vu qu'on n'a pas de pause, let's go !